C'était François Blais, le ministre de l'Emploi. Maintenant, il y avait plusieurs personnes donc assises autour de cette table-là. Réaction de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé. On sait que ça fait déjà des semaines qu'on en parle ici même à Télé-Gaspé de cette problématique de manque de main-d'œuvre. Réaction à la sortie de la rencontre avec Olivier Nolot. Monsieur Nolot, vous avez eu l'occasion de rencontrer François Blais, ministre du Travail, là, sur toutes les questions du manque de main-d'œuvre dans la région. Quel message vous aviez à transmettre au ministre? Ben, principalement, je vous dirais que ça a tourné autour de deux axes, formation et puis main-d'œuvre étrangère. Principalement, c'est le message qui a été transmis au ministre Blais. Et il a été très, très ouvert. Donc, comme vous avez pu le constater, il y avait des entrepreneurs qui étaient présents. Il y avait des commissions scolaires. Ça venait de partout. C'était représentatif vraiment de la Gaspésie. Il y avait des gens de la Haute-Gaspésie, de la baie des Chaleurs, de la Pointe. Donc, c'était vraiment, je dirais, principalement ces deux enjeux-là. Formation pour que les personnes soient de plus en plus formées adéquatement, qu'on ait aussi des formations exclusives à la Gaspésie afin que les Gaspésiens n'aillent pas seulement à Montréal, à Québec, mais que les Montréalais ou les Québécois viennent aussi en Gaspésie étudier dans des formations assez spécifiques. Très, 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 très spécialisé. Et une main-d'œuvre étrangère, parce qu'on se rend compte que de plus en plus, ben, c'est difficile d'aller chercher de la main-d'œuvre locale. Elle est rare. Donc, si on est vers une main-d'œuvre étrangère, qu'elle soit spécialisée ou non, mais ça peut être une piste de solution. Est-ce que le ministre vous a demandé un portrait global? Il manque combien de personnes actuellement en Gaspésie si on voulait combler tous les postes? Ben, je vous dirais, le ministre, il était pas mal au courant de toutes les statistiques au niveau le problème de main-d'œuvre, le chômage, l'aide sociale, etc. Il était vraiment au courant de ces statistiques-là. On n'a pas eu le besoin de lui remémorer. Donc ça a été une étape, je dirais, sauvée. On a pu vraiment rentrer dans le vif du sujet dès les premiers instants de sa venue. Sauf que là, les délais sont très courts. On sait déjà ici qu'il y a plusieurs entreprises qui manquent de main-d'œuvre. Donc, il va falloir aller plus tôt que tard. Mais je dirais, ça, je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est le défi pour les prochaines années dans le développement économique. Je vous dirais, LM Windpower avec Marc Frenette, Alexandre Boulay, ils ont vaincu un défi important. Là. Ils sont passés de 180 à 380, à 480. Ils ont réussi, mais ils l'ont bien dit ce matin au ministre Blais, si on veut continuer à croître, ça sera plus possible d'aller chercher dans de la main-d'œuvre locale. Il faudra se diriger vers de la main-d'œuvre étrangère et pour ça, il faut nous donner des ressources. C'était le moyen. Il faut alléger aussi tout ce qui est administratif parce qu'on va chercher de la main-d'œuvre étrangère, que ce soit francophone ou peu importe la nationalité. La démarche administrative est très, très lourde. C'est beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Donc, il faut s'atteler à ça le plus tôt possible. Et je vous dirais que le ministre Blais était ouvert à apporter déjà des modifications au niveau de l'enseignement. Des formations, ben, les commissions scolaires qui étaient présentes ont démontré certaines aberrations qu'il y avait et il a demandé que des correctifs soient apportés très, très rapidement pour que la région puisse bénéficier de ce qui a été amélioré depuis l'hiver dernier. Nous, ces améliorations-là, on ne peut pas en bénéficier. Donc, il a dit, ben, on ne va pas laisser ça aller, on va déjà corriger, on va procéder à des correctifs. Donc, on voit que c'est une personne qui est proactive. On va voir dans les prochaines semaines, prochains mois, si ces changements vont être apportés. Mais on va voir si on passe des paroles à l'acte, on le souhaite, mais on voit qu'il y a quand même une maîtrise du dossier. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà.